Bien bonjour à tous, ici Akogon aujourd'hui, eh bien réaction évidemment au live stream de Genshin Impact 4.8. Est-ce que j'ai vraiment quelque chose à dire? Non, je ne pense pas, nous sommes directement partis et j'espère que ça va être une petite dinguerie. Et j'ai appris de par mes collègues de Discord que, alors déjà qu'il n'y a pas d'audio, voilà, là il y a de l'audio. Et surtout j'ai appris que on va avoir un petit trailer de Natlan comme d'habitude, mais en fait j'avais complètement oublié, donc c'est pas grave. Ok, c'est parti, ça commence directement. Le petit trailer de 4.8 avec un train. Comment c'est un train? Intéressant. Oh! Excellent. Ok. Donc ça c'est Emily, le nouveau personnage d'Endro. Je sais pas si c'est... Je crois que c'est une lancière, je crois, je suis pas sûr. Sûrement. Oh! Oh! Très intéressant. Pour le coup, très intéressant. Du coup, c'est bel et bien une lancière, ok. C'est une nouvelle arme, ça, j'en connais. Est-ce que ça va être une arme d'Event? Derrière Event, on a eu Gourou, non? Non, on a eu un arc. Donc là, non, c'était cette version d'un personnage, je crois. Je crois que c'est une arme, un personnage à chaque version. Ok, donc très intéressant ce personnage. En revanche, je suis pas fan du design. Oh, on a Fontaine. C'est carrément Fontaine, ça, je crois. Ouais, c'est Fontaine, ok. Très stylé, et c'est un style cubique un peu partout, j'ai l'impression, vous devez. Oh, oui. Nimunoskin, alors ça je sais par contre. Ça je sais vraiment pas, ok. Kira aussi. Oh, j'aime bien la dégaine. Oh, le skin très stylé, ok. Très beau skin, très beau skin. Wow, ok, superbe. Ok. Donc un event navier sur, enfin axé sur Navia, Nilou et Kira et sûrement Emily du coup. L'Astral Express, what the fuck? What the fuck? On casse taré? Non, pour le coup c'est vraiment stylé, mais oh, une nouvelle dimension et tout. À nous les prix, moi j'aime, voilà. Ok, petite cinématique. Ça... Oh, let's go. Mec, Yaskara. Y'a Nomade! J'adore. Sachez déjà que c'est une très bonne version, voilà. Et les skins qui sont tout bonnement magnifiques. Mais vive Nomade! Je sais que beaucoup ne l'aiment pas, mais je l'apprécie beaucoup. Ok, c'est parti pour la petite démo du coup de Lily. Alors, du coup, c'est une lancière d'Endro. Je connais pas son rôle par contre. C'est moi son design et j'ai l'impression qu'il est meilleur là que dans le trailer. Alors que c'est très probablement juste le même perso, mais ok, bon bref. Apparemment elle a un kit de type brûlure, en mode elle est centrée sur les brûlures et elle va augmenter, je suppose, les dégâts des brûlures. Donc en vrai c'est intéressant parce que c'est une réaction qui avait plutôt été laissée de côté, donc en vrai c'est vachement cool. Est-ce que je suis fan du design? Pas vraiment, mais c'est mieux que ce que je pensais quand même. Ok, les bannières, allez s'il vous plaît, une bonne manière. Bah après je crois que je les connais. Ok, Navia, Nilou. Navia qui est pas mal dans la méta. Enfin en vrai, elle fait des gros dégâts. Et Nilou qui est juste trop facile à build et qui fait des gros dégâts. Et Yelan et Emily, d'accord. Est-ce qu'on a du coup des bannières nostalgiques? Non, pas du tout, très bien. Dupola. Ah, c'est un 5 étoiles. Oh, le design ne va pas du tout avec un design de 5 étoiles pour le coup. Je suis vraiment pas fan. Mais honnêtement, c'est pas grave. C'est juste une arme, c'est pas important. Mais pour une 5 étoiles, je m'attendais à un meilleur design pour le coup. Les skins sont fantastiques, hein, pour le coup. Honnêtement, le skin de Nilou et Kirara, ça va pas du tout avec l'univers. Enfin, bref, c'est complètement décalé. Mais à part celui de Nilou, je dirais, mais celui de Kirara est très décalé. Par contre, il est magnifique. Et celui de Nilou est extrêmement élégant aussi. Donc, j'apprécie beaucoup. Bon, non, pour le coup, c'est vraiment stylé. Fit POV. Pour ceux qu'on la rêve. Mais oui, c'est vrai que le skin est très beau pour le coup. Je pense que les fans de Nilou vont être contents. Ouais, il y a pas beaucoup de skins que je trouve très bons à part, je dirais, Kaya, Kuching et bah du coup ce skin de Nilou qui est honnêtement très stylé. Ok, skin de Kirara du coup cette fois-ci. Attention. Ouais, skin très pirate. Du coup, je suis pas nécessairement fan, mais le design est original, on va dire. Non, non, on a un free skin Kira et free Kira tout court, vraiment, free Kira. Vous savez que le free Kira c'est excellent parce que c'est un personnage qu'en vrai qui est vachement intéressant pour l'open world, donc moi ça me va et je l'ai pas du tout en plus. Quoi? Ah oui, c'est ce que Kaz tu m'avais dit. Eh, bisous à toi Kaz, mais bref, du coup non pour le coup, ok, donc je crois que ça va être beaucoup mieux de faire ses daily à partir de maintenant. Ça c'est vraiment bien par contre, c'est super parce que faire les daily tous les jours c'est trop chiant.
all the information that we have to share. Non, vraiment? Ah, mais non, attendez, il y a un Natlan qui arrive. Il y a sûrement un Natlan qui arrive. So long à tous, s'il vous plaît. Natlan, maintenant, arrête, l'attente a été longue. Tu vois, le but du stream, c'était pas le trail. Voilà, garçon. Oh non. Direct nouveau perso. Oui, ok. Oh putain, la musique déjà géniale. Waouh. C'est quoi ce style de personnage? Qu'est-ce que c'est que cette chose? Donnez-moi en plus. Genre... Oh, j'aime bien. Étonnamment, j'aime bien. Ok, donc ça, ça va être un 4 étoiles, du coup, je pense. Mais, attends, on avait... je rêve, on avait... Oh, j'adore le style des personnes. J'adore le style des personnes. les refs, c'est vraiment si que je kiffe sa mère. Ok, incroyable. Et du coup, ouais, on avait une carte entière. Non. Mais c'est incroyable, ce jeu. Mais, c'est dingue. Lui, attends, mais lui, typiquement, il a un flow. Mec, oh là là, mais lui, je le veux. Il a un flow. Ok, incroyable. Excellent, même. C'est tout? Ok, non, ok. En vrai, ça va, c'est suffisant. Les gens, ils vont râler, mais c'est suffisant. Pour résumer cette version 4.8, eh bien, écoutez, brave Jean, excellent. Franchement, ça va. Je trouve que pour une version de fin un peu de transition, je trouve ça très potable, en fait, même. Le simple fait qu'il y ait Nomade dans l'event rend le tout beaucoup plus intéressant, je trouve. Mais du coup, honnêtement, c'est très, très bien. Et évidemment, les skins qui sont magnifiques. Skin de Nilou, surtout, qui est vraiment, vraiment excellent. Ça va être un skin 5 étoiles, mais excellent. Donc, franchement, très bonne version. Et le trailer de Natlan, franchement, il a... C'était court, mais c'était suffisant, si vous voulez. Reveal de 3 persos qui ont l'air d'être honnêtement très similaires. Alors, je suis moins fan du gamin ou de la gamine. Je sais pas si c'est un mec ou une meuf, on c'est pas grave. Mais honnêtement, le mec, il a vraiment un flow. Et en tout cas, j'aime beaucoup le style des personnages de la région. Donc, j'en attends beaucoup de cette nouvelle région. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis, on se retrouve une prochaine fois pour un autre truc. Voilà, à plus.